Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma chaîne Apprendre le français avec Malek. N'oubliez pas de s'abonner et de liker la vidéo. Alors, la leçon d'aujourd'hui est les sigles et les abréviations. Commençons par, je retiens. Dans notre vie quotidienne, nous utilisons souvent des mots abrégés. Radio, télé et des sigles. CVP, CTE, CTP, CVT. Afin de réduire les mots ou des groupes de mots trop longs, l'abréviation consiste à enlever les une ou plusieurs lettres ou syllabes d'un mot long. Exemple, cinématographie. Cinématographe. Alors ça c'est le nom complet et on n'a jamais dit ce mot, je suis sûre. Alors, on dit toujours cinéma ou bien ciné. Allons, vas-y au ciné. Nous sommes allés au cinéma. Nous sommes allés au ciné. Mais je suis sûre que vous n'avez jamais dit nous sommes allés au cinématographe. Le bac, alors, c'est baccalauréat. Non, ça c'est vous. Vous le connaissez bien. Le sigle est composé des initiales. Ça veut dire les premières lettres du mot ou des mots principaux. Le groupe de mots, nom, entreprise, organisation d'un produit. CTP, alors c'est s'il te plaît. CVP, s'il vous plaît. FFF, c'est Fédération française du foot. CVT, c'est la science de vie et de terre. Alors, des abréviations. Les abréviations. À 5 h du matin, du mat, on dit 5 h du matin. Sympa, sympathique. La récréation. Ado, un adolescent. Bac, baccalauréat. Le perm, la permission. Le petit déjeuner. Le petit déj. Le petit déjeuner. À toute heure, à toute. La pub, c'est la publicité. Une promo, une promotion. Bon après-midi, alors c'est bon après-midi. Le café, la café, la cafétéria. Un resto, un restaurant. Un déca, un déco, c'est. Non, un déca, c'est un décaféiné. Le ciné, le cinéma, et il y a plus et plus. Enfin, les maths, les mathématiques. On les connaît, bien sûr. Alors, on a terminé la leçon. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de s'abonner, de liker la vidéo et activer la cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos. Et au revoir! Ciao!